Ok David, bon, tu peux nous faire un petit débrief de... Ouais, c'est un char, là. J'ai tout le truc à prêter. Ouais, non, tu peux y aller. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la journée d'hier? On a fait Game of Thrones. Ouais. L'exposition. On a fait 83 photos. Moi, j'ai rien acheté. Ouais. Pas officiel. C'est tout. C'est tout. On a mangé quoi au soir? Moi j'ai mangé. T'avais pris une salade de l'indécis numéro 2. Ouais, j'ai pris un truc. C'était super bon. Je suis content. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, on va faire quoi? Marcher. Ouais. Jeu de piste. Ah. Et sinon, l'hôtel? Très nous, bien. Nous, on a une chambre de 700 mètres carrés et toi? De 7 mètres carrés. 7 mètres carrés. Mais très bien. Très bien. Bien dormi. À part quand on fait caca, ça sentait dans toute la chambre. Merci, ça c'est très très classe. Voilà, sinon, voilà. Voilà. Parfait. Et toi, Toff, tu peux me faire un petit débrief de la journée d'hier? Bonne journée, bonne météo, pas trop chaud. Compagnie agréable. Activité sympathique. Plein de souvenirs, exposition, la bonne bouffe le soir. Moi j'étais bien. Ah ben, très bien. Ouais, on va aller voir un peu, prendre un peu le métro, voir un peu ce que ça donne et puis essayer de faire 2-3 plans, plans pendant la balade et puis pendant le jeu de piste. Salut, il y a Clodovide. Hein. Parfait. De super images. Oh. Parce qu'à Paris, on ne le dit pas, mais il y a une chier de Clodovide. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce fabuleux voyage que nous sommes en train de vivre, cette aventure humaine? Tu mets beaucoup de mots pour la visite à Paris. Oui, j'essaie d'enjoliver un peu l'histoire. C'est ça, enjoliver, c'est le mot. Alors, ben, dis-nous, qu'est-ce que tu peux nous dire Rien. Rien. Voilà. Profite de la balade plutôt que de filmer. Ça, c'est le conseil que je te donne. Ok. C'est un bon conseil, non? C'est un bon conseil, mais je profite en même temps que je filme. Je pourrais avoir même les images et revoir tout à 160 degrés avec une stabilisation d'image parfaite. Et avec normalement un bon son. Publicité pour GoPro. Exactement. Sponsorisé par Charles de Sénus. Exactement. Salut Charles!
J'espère que tu t'es pas filmé tout dans la bouche, parce que je suis sûr qu'il a mis un relais GPS dessus pour ça, pour avoir les images lui aussi en temps réel. Le seul que j'ai eu tout nu dans la douche, c'était toi. Bah non, j'étais pas tout nu. Et peut-être Xavier. T'as avec le meuf, il nous a déjà tout nu. Oui, mais pas, il a GoPro. Et vous, madame, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette visite à Paris? Qui êtes-vous, monsieur? Ne me parlez pas. La journaliste de TF1. Sponsorisé RTL, t'as oublié? Exactement. C'est dangereux, hein? Eh bien, je peux dire que nous arrivons actuellement sur un pont qui surplombe le boulevard Diderot, n'est-ce pas? Si vous voulez observer un petit peu le chemin, n'hésitez pas. On est cerné par les joggeurs. On est cerné par une file de gens qui essaient de donner bonne conscience. Il faut que tu sois naturel, comme si la caméra n'était pas là. Tu vas courir. Mais on t'écoute, Benjamin. Les millions d'internautes qui te regardent, t'écoutent. Alors ça, c'est David qui est en train de nous casser les boucles avec Michel Sardou depuis hier soir. Il nous fout de la musique en tête. Toujours les vieux classiques. C'est Michel. La faute à ton père. Et c'est la faute à mon père. Si il courait plus vite, on la verrait moins longtemps. C'est sympathique quand même. Ciao. Tu manges bien ton micro? Mais écoute, j'en sais rien, on verra. Mon avis, ça doit le faire. Ah, du coup, on verra bien si le micro fonctionne bien. Elle n'est pas encore en odorama, la GoPro, ce qui est bien dommage. C'est ça. T'imagines 360 degrés plus odorama. Ah ouais. En même temps, c'est parce que t'as pas filmé hier. Hein, bref. La madame, elle danse. Ouais. Elle a quelque chose de coincé. C'est vrai que je penserai pour un vilebrequin. Oui, hein, on va encore. Vilebrequin. Un vil mouvement. Oui. Et bon, vous avez déjà testé les doigts? Ils sont froids. Ils sont frais en tout cas. Ah, mais c'est froid. Non, en revanche, ils sont un peu. Mais où est David? Ah. Ah, ça semble plus de batterie ça. Déjà? J'ai mis à charger les autres. Normalement, ça devrait aller, mais ce micro qui pendouille. Elle est à la porte. T'es qu'un emmerdeur. Je n'ai rien vu. Par contre, la GoPro, je pense qu'elle a tout vu. C'est ça. Salope. Pardon.